Monsieur Abdelhadji Tartal, bonjour. Bonjour. Alors, préserver les ressources énergétiques pour les générations futures, une disposition constitutionnelle, comment rendre effectif ce principe quand notre économie est dépendante des recettes d'hydrocarbures à 98% et les gisements sont exploités à leur niveau maximal. Monsieur Attal. Merci de me recevoir ce matin. Merci de rappeler qu'effectivement préserver les ressources, les hydrocarbures ou les ressources naturelles de façon générale aux générations futures, c'est effectivement évoqué directement ou indirectement dans la Constitution où il y a effectivement au moins 6 articles qui parlent d'abord de la propriété en quelque sorte des ressources naturelles. De façon générale, il n'y a pas que les hydrocarbures, il y a l'eau, il y a le sol, il y a les autres ressources naturelles protégées, il y a l'air, etc. Et tout ça, c'est évoqué dans la Constitution. Les hydrocarbures, j'y reviens, donc c'est clairement dit que les ressources en hydrocarbures du sous-sol sont la propriété de la collectivité nationale. Voilà, c'est clair, c'est ce qui est repris aussi par les anciennes lois et la nouvelle loi aussi. Dans la nouvelle loi, les hydrocarbures, c'est la propriété de la collectivité nationale. Bien, maintenant, il faut peut-être se poser la question, pourquoi préserver des ressources en hydrocarbures pour les générations futures? Il y a d'abord l'état des réserves. Si je dois parler seulement des réserves prouvées, et on ne peut pas, en principe, faire une stratégie ou un plan de développement ou un modèle de consommation énergétique, etc., sans tenir d'abord des réserves ou de la ressource énergétique que nous utilisons actuellement, à savoir le gaz et le pétrole. Il ne faut pas oublier que 98% de notre électricité de la mobilité, etc., tout vient des hydrocarbures aujourd'hui. Bien. Donc, or, nous avons des réserves, si on fait le compte, c'est-à-dire si on ne tient pas compte, c'est-à-dire on se dit, on laisse aller, on continue à consommer les hydrocarbures tels qu'ils sont, à partir des réserves prouvées qu'il y a actuellement, et bien au bout de 10 ans, on va avoir des problèmes. Comment? On n'aura pas de problème de sécurité énergétique. Moi, à plusieurs reprises, j'ai dit il n'y a pas de problème. Les réserves, parce qu'un jour ou l'autre, de toute façon, nous donnons déjà la priorité à la consommation intérieure. Et un jour ou l'autre, il n'y en aura plus que pour la consommation intérieure, et à ce moment-là, c'est ce qu'on fera. Bien. Donc, il n'y a pas de problème pour la sécurité énergétique, au moins jusqu'en 2040. Ça, je peux m'avancer, je connais les réserves qu'il y a, il n'y a absolument aucun problème. Par contre, le problème, il se pose au niveau de la rente. C'est là que, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, effectivement, 96% aux environs, hein, ça dépend des années, mais c'est autour de 96% des recettes d'exportation, et bien c'est les hydrocarbures. Donc, un beau jour, il va falloir arbitrer. Et quand on se mettra à arbitrer, bon, on avantagera, bien sûr, parce qu'on ne peut pas faire autrement, il faut assurer quand même la sécurité du pays. Ça, donc, c'est une des raisons, c'est-à-dire, donc, c'est les réserves, c'est la consommation intérieure, telle qu'elle est actuellement. On parlera, j'espère, tout à l'heure, de modèle de consommation. C'est ça qu'il faut inverser. Pour préserver, il va falloir prendre des décisions, et des décisions courageuses. Attendez, je vous ai parlé, je lui ai dit pourquoi. Maintenant, il va falloir dire comment. Voilà, tout le problème est là. Donc, comment? Il faut absolument essayer d'abord de renouveler, augmenter les réserves qu'il y a, c'est-à-dire les réserves connues, les réserves prouvées. On a des réserves prouvées, si on fait le compte, ce n'est pas suffisant. Donc, ça veut dire, première chose, évidemment, je parle au nom du secteur des hydrocarbures, hein, il y a encore d'autres actions. Renouveler les réserves. Il faut changer le mode d'exploitation de nos gisements actuellement. On soutire trop, sans tenir compte du taux de récupération ultime. C'est-à-dire, vous savez, un gisement, c'est comme il faut l'entretenir. Il ne faut pas en tirer n'importe quoi à n'importe quel moment. Voilà. Et puis, il y a l'économie d'énergie, il y a les énergies renouvelables, je ne sais pas là. Est-ce qu'on a le temps d'en parler? Je voudrais bien en parler. Mais justement, par rapport, si je reprends ce que vous dites à l'instant, vous dites qu'on est en train de soutenir et de soutirer trop. Quel est le niveau de l'exploitation actuelle de nos gisements? Monsieur, vous dites, c'est-à-dire là, vous parlez de la récupération des réserves initiales, c'est-à-dire tout ce qu'on a trouvé depuis pratiquement 1952 ou 1953. Il y a des petits gisements qui ont été découverts il y a très très longtemps. Hein.
Bon, jusqu'à aujourd'hui, ben, on a consommé un peu plus de 50% des réserves prouvées qu'il y a dans le sous-sol. Voilà. 50% des réserves ont été... aujourd'hui, par exemple, quand on donne les réserves globales, pétrole, gaz, condensat, GPL, on dit 4,5 milliards de... Il ne faut pas que je me trompe. Hein. Là, vous me posez une question un peu... disons que c'est 50%. On a consommé 50% de nos réserves. Au jour d'aujourd'hui, il ne reste que... Découverte. Prouvée, découverte dans le sous-sol, etc. On a consommé 50%. Mais quel est le niveau de nos réserves actuelles? Puisque vous dites, je connais parfaitement les niveaux de nos réserves actuellement et nous n'avons exploité qu'une infime partie. Monsieur Atta. Le niveau des réserves. Le niveau des réserves actuellement, si vous voulez, voilà, prouvé, hein, c'est autour de, le prouvé seulement, 2500 milliards de mètres cubes de gaz. Voilà. De gaz et de pétrole? Non, le pétrole, c'est surtout le gaz qui est important pour l'énergie, hein, pour la sécurité énergétique. Aujourd'hui, l'électricité, c'est essentiellement du gaz. Le pétrole, c'est 1,7 milliard aussi de tonnes dans le sous-sol. Voilà. Mais aujourd'hui, on est face à un dilemme, monsieur Attal. Comment un peu trancher et régler cette problématique, survenir aux besoins économiques et sociaux du pays, puisque nous dépendons à 98% des hydrocarbures, et laisser bien sûr des gisements pour les générations futures? Que faut-il, laisser ces gisements dans le sous-sol ou favoriser quand même l'exploitation et l'exploration, sachant que l'une des conséquences de la crise économique de 2014 et la crise sanitaire, c'est l'arrêt de l'investissement dans l'amont par nécessité économique et financière, puisque c'est extrêmement coûteux? Est-ce qu'on est dans ce cas ou pas du tout? On va quand même non. Explorer. Ce qui est coûteux, c'est ce qui reste à découvrir. C'est ce qui reste à découvrir. L'exploration. Parce que, oui, l'exploration, exactement. C'est-à-dire que les gisements, parce que les gros gisements comme Hassin El Saoud ou Hassarmal, évidemment, j'aimerais bien, hein, j'aimerais bien me tromper, j'aimerais bien qu'on en trouve, mais j'y crois pas beaucoup. Bien. Seulement, on peut trouver encore des gisements de petite taille, de taille moyenne aussi. C'est possible, c'est tout à fait possible, mais ça nécessite de nouvelles technologies, de nouvelles techniques, des études plus poussées. D'abord pour les trouver, et puis après pour les exploiter. Parce que ce qui reste à découvrir, ou bien c'est complexe, même quand c'est à côté d'un gros gisement et avec des infrastructures qui existent, ou alors c'est loin. C'est loin de toutes les infrastructures, c'est-à-dire qu'il faut pratiquement construire de nouvelles infrastructures, de nouveaux pipes de transport, etc., etc. Voilà pourquoi. C'est, par exemple, quand on évoque l'offshore, par exemple. Bon, que voulez-vous? On n'a jamais eu aucun indice. C'est-à-dire qu'il va bien falloir un jour ou l'autre forer un puits d'exploration pour évaluer cet offshore. D'accord? Seulement, vous savez, un puits en offshore, c'est pratiquement... au-delà de 100 à 150 millions de dollars pour le faire. Donc, ce n'est pas demain qu'on va le faire. Et on ne peut pas le faire. Il faut absolument le faire en partenariat. Bien. Alors, attendez. Et quand vous... c'est-à-dire, on cherche donc un coût plus élevé. On va exploiter un coût plus élevé. Or, depuis 2014, vous savez très bien, avec la chute du baril, avec la crise économique, avec ce que le Covid a rajouté en deuxième couche, vous savez, ben, l'essentiel des ressources aujourd'hui, il est consacré au développement du pays et à d'autres besoins. Ce qui fait que Sonatrach n'a plus les moyens. Elle n'a pas les moyens. Elle n'a ni les moyens financiers, ni les moyens technologiques non plus pour ce qui est complexe, ce qu'il faut aborder aujourd'hui et dans le futur. Donc, on a besoin de partenariats. C'est aussi simple que ça. Justement, j'allais vous aborder cette question. Si on parle aujourd'hui de technologie et de financement, il faut favoriser le partenariat, les investissements directs étrangers. Est-ce qu'on peut considérer que la loi sur les hydrocarbures qui a été promulguée, dont les décrets d'application n'ont pas totalement paru, vous l'avez déploré déjà, monsieur Artal, donnerait un coup d'accélérateur à ces partenariats? Il faut accélérer aussi la promulgation des textes d'application de la loi sur les hydrocarbures. Ben, c'est en bonne voie. C'est vrai qu'on a... D'ailleurs, tiens, dans la nouvelle constitution, par exemple, il y a d'ailleurs un article qui dit que dorénavant, quand on fait une loi... Ils doivent être accompagnés... Elle doit être accompagnée avec au moins les projets de textes
textes d'application, les décrets d'application. Ça, c'est très important parce que souvent, on a pris, pas seulement dans le secteur des hydrocarbures, mais dans tous les secteurs, on fait une loi et puis ce n'est qu'après approbation qu'on commence à réfléchir au décret d'application. C'est ce qui s'est passé, y compris pour cette nouvelle loi. Et là, depuis, je peux vous dire que depuis 3 mois, sur les 43 textes, au début c'était 48, et puis après on a pu quand même rassembler certaines dispositions dans un seul décret. Sur les 43, il y en a 27 qui sont pratiquement finalisés et qui sont au niveau du gouvernement. Le reste va venir d'ici la fin de l'année, Inch'Allah. On ne dépassera pas la fin de l'année pour avoir tous les textes d'application, de telle sorte à accélérer un peu les investissements. Moi, je veux bien, j'aimerais bien que ça soit prêt avant la fin de l'année. Mais même si les textes sont prêts, vous savez parfaitement qu'il faut les soumettre aux autres ministères qui doivent le donner, les autres secteurs d'activité. Le secteur de l'eau, par exemple, le secteur financier pour la fiscalité, l'intérieur pour le territoire national, etc. Donc la défense. Tous ces secteurs doivent donner leur avis sur les textes d'application. Et nous, on est obligé de prendre en considération de nouveau. On envoie le projet, il est distribué, et puis après, il revient à nous pour qu'on puisse prendre en considération. Ou bien on prend en considération, c'est-à-dire on corrige le tir avec les observations, ou bien alors on répond, on précise. Et là, je peux vous dire, si tout va bien, effectivement, ça pourrait être prêt d'ici la fin de l'année. Alors, le secteur de l'énergie, c'est un secteur stratégique aujourd'hui pour le pays. Les secteurs, la sécurité énergétique, une question de souveraineté nationale. Bien sûr. La sécurité énergétique, vous savez, dans le monde entier aujourd'hui, depuis la crise de 2008, depuis la crise financière mondiale 2008, quand le brut a commencé à monter. Bon, il est descendu un tout petit peu à la fin 2008 et début 2009. Et puis, très rapidement, il est remonté, il a atteint 145 dollars, pratiquement, le baril. À ce moment-là, et bien avant déjà, de toute façon, au niveau des États-Unis, tous les pays ont commencé à baser leur stratégie de développement sur la sécurité énergétique, ou plutôt, je dirais, l'indépendance énergétique. À tel point que les stratégies de développement... Parce que sans énergie, on ne fait rien. On ne peut rien faire. Donc, les stratégies de développement, y compris sur le plan politique, c'est-à-dire par exemple les stratégies politiques des pays, surtout les grandes puissances, elles sont établies sur 2 choses. On possède la ressource naturelle, notamment la ressource énergétique, ou bien on la contrôle. Et c'est à partir de là qu'on établit sa stratégie énergétique. Alors c'est une question aujourd'hui de souveraineté nationale, les actions prioritaires à engager de telle sorte à assurer cette sécurité énergétique. Moi je pense qu'il n'y a pas de cette sécurité énergétique. La priorité des priorités aujourd'hui, c'est l'économie d'énergie, de façon à au moins préserver le plus possible ce qu'il y a dans le sous-sol pour le dégager pour le futur. Bien. La deuxième priorité, c'est c'est-à-dire baser la transition énergétique, c'est-à-dire avec énormément et le plus rapidement possible d'actions, de réalisation de projets avec des énergies renouvelables. C'est extrêmement important. Il y a beaucoup de gens, on a beaucoup de retard, il y a beaucoup de gens qui croient que ça ne... Bon, aujourd'hui, il y a un ministère quand même qui est consacré à ces énergies, à la transition. Mais même au niveau du secteur, je peux vous dire qu'au niveau du secteur des hydrocarbures, nous sommes actuellement... Alors, Monsieur Abdelnadjid Attal, je voudrais revenir un peu sur l'aspect relatif à la sécurité énergétique qui relève de la souveraineté nationale. Vous parlez parmi les actions prioritaires, c'est essayer de rationaliser au maximum notre niveau de consommation. Mais comment mettre en place des mécanismes de rationalisation quand on sait qu'annuellement, on consomme l'équivalent de 15 millions de tonnes de carburant et 43 millions de mètres cubes de gaz? C'est énorme. Oui, c'est énorme, c'est ce qui fait, je vous l'ai dit, en matière de gaz, c'est aussi, c'est presque 50%, c'est 50% hein, de la production actuelle, parce que l'année dernière, on a produit à peu près 90 milliards de mètres cubes de gaz, c'est-à-dire le gaz commercialisé, on produit beaucoup plus, hein, seulement, sauf que on réinjecte dans les réservoirs, etc., etc., mais disons que les volumes commercialisé, c'est un total de 90 milliards de mètres cubes. Et sur ça, il y a 43 qui ont été
consommés sur le marché intérieur. Et quand vous dites 15 millions de tonnes de carburant, et encore, hein, en 2020 par exemple, on a eu une petite réduction grâce au Covid. Parce qu'il y a moins de circulation, moins de véhicules, pas d'importation de véhicules, etc. Pas d'aérien, transport aérien également. Pas de transport aérien, exact, parce que 40% des carburants, c'est le jet, hein, c'est les avions. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que le baril actuellement, il n'arrive pas à reprendre, pour la simple raison que c'est surtout le transport aérien. Le maritime, c'est la logistique, ça continue, il n'y a aucun problème. Mais le transport aérien, c'est la catastrophe. Alors, Monsieur Atta, par rapport bien sûr à ces principes que nous sommes en train d'aborder ce matin, qui sont aussi pour certains constitutionnalisés, qui relèvent de la souveraineté nationale, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il faut assurer une totale transparence dans la gestion du secteur, tant sur le plan des investissements que le recrutement? Est-ce que les Algériens ont droit de tout savoir? Bien sûr, absolument, non. D'ailleurs, la nouvelle constitution, elle aborde tous ces problèmes en matière de transparence, en matière de gestion, en matière de droit à la réponse. C'est-à-dire le citoyen, quand il fait une lettre, que ce soit ou une demande, une requête, etc., à une administration, c'est un droit, d'abord, il a le droit d'écrire, et c'est une obligation pour celui qui reçoit la requête de répondre. La réponse est obligatoire. Maintenant, comment celui-là? Moi, j'aimerais bien faire la comparaison entre une compagnie étrangère et une compagnie nationale. Sur la question de la transparence. Transparence, gestion, recrutement, tout ce que vous voulez. Quand vous prenez, par exemple, une société internationale, une société pétrolière, bien sûr, hein, ou même une société d'électricité, hein, n'importe quelle, ils ont un conseil d'administration, enfin une assemblée générale d'abord, qui représente les propriétaires. Il y a un conseil d'administration. Il y a des procédures, il y a un contrôle. Et l'objectif, c'est quoi en général? L'objectif d'une société comme celle-là, c'est d'abord la rentabilité. Il faut que l'activité soit rentable. Si ce n'est pas rentable, ils arrêtent tout de suite. Ou bien alors, ils trouvent toujours, mais ils trouvent toujours le moyen pour que ça soit rentable. Deuxièmement, c'est le profit. Parce que sans rentabilité, il n'y a pas de profit. Le profit pour les propriétaires. D'accord? Et il y a toujours quand même, quel que soit le degré de... Même pour les sociétés familiales, vous prenez par exemple surtout en Allemagne, il y a beaucoup de sociétés qui sont très importantes, internationales, mais elles ont une structure familiale, c'est-à-dire elles sont d'origine familiale. Mais il y a toujours cet attachement à la patrie, au pays, à la nation, à l'intérêt du pays derrière. Vous savez, les sociétés américaines travaillent pour l'intérêt des USA. Les sociétés allemandes, c'est l'intérêt de l'Allemagne. Les sociétés françaises, c'est l'intérêt de la France. Les Japonais, c'est les Japonais, et ainsi de suite. Vous prenez par exemple une société nationale ici. Elle devrait tout simplement fonctionner sur le même principe. Il faut que ce qu'elle fait, il faut que ça soit rentable. La société... Et assure des profits. Et assure des profits. Son propriétaire, c'est l'État. Le propriétaire de son attraction, c'est l'État. Le propriétaire de son égard, c'est l'État. Les sociétés de services qui sont par exemple la plupart des filiales de Sonatrach, ben, quand vous êtes filiale de Sonatrach, vous êtes une filiale de l'État, c'est tout. Donc il faut gérer de la même façon, tout simplement. Et là il faut des hommes aussi. Hein. Mais quand vous dites que les sociétés nationales devraient travailler sur ces principes, rentabilité et profit, ce n'est pas le cas actuellement chez nous? Oui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, surtout au point de vue rentabilité. Le profit, il n'y a pas de problème, parce qu'il y a un contrôle, il y a des assemblées générales, il y a un commissaire aux comptes, etc., etc. Mais quand vous arrivez quand vous allez à la rentabilité, là, je suis désolé, mais par exemple, je prends l'exemple de Sonatrach. Il y a eu énormément de pression sur elle, depuis pratiquement, surtout depuis quelques dizaines, enfin, disons, depuis 20 ans, ou même un peu plus. C'est-à-dire à cause, vous savez, l'économie du pays, elle s'est pas bien développée. On n'a pas développé de nouveaux emplois, de nouvelles richesses. On est resté, pratiquement, on est demeuré autour de la rente depuis des dizaines d'années. On vit avec la rente. Alors, automatiquement, la population augmente, le nombre de jeunes augmente, le nombre d'universitaires qui sortent des universités augmente. Donc, il y a une pression en matière d'emploi. Il y a une énorme pression. Alors que, je le dis, je le redis, le secteur des hydrocarbures, ce n'est pas lui qui va créer de nouveaux emplois où il produit déjà une richesse,
il produit des emplois qui ne sont pas durables, uniquement pour réaliser les chantiers. La richesse est ailleurs. La richesse, le développement du pays doit être basé sur d'autres richesses durables qui sont éternelles. Et ça, c'est l'agriculture, c'est les PME, PMI, c'est les services, etc. Autrement dit, le secteur des hydrocarbures, aujourd'hui, je peux vous dire qu'il l'affiche complet. Il y a un sureffectif énorme au niveau de Sonatrach. Si on compte le nombre de travailleurs qu'il y a au niveau de la Sonatrach ou même de ses filiales, c'est énorme. Et ça, c'est la pression, hein, parce qu'il faut donner de l'emploi aux gens. Et on a donné, mais on ne peut pas continuer, à mon avis. Il faut trouver des solutions, il faut créer. Moi, c'est ce que je n'arrête pas de dire quand je me rends sur le terrain. Je dis, écoutez, il faut qu'on essaye, c'est pas qu'on essaye, il faut que nous puissions créer de l'emploi dans d'autres secteurs. Dans d'autres secteurs. Et la priorité, c'est l'agriculture, c'est les PME, PMI, c'est les micro-entreprises, etc. Et c'est pour cela que dans le secteur de l'énergie, maintenant, on donne la priorité à l'usage de l'énergie en matière de création d'emplois et de richesses. Et non plus un usage qui ne produit aucune plus-value. 78% de l'énergie consommée en Algérie, elle est consommée où ? Dans le domestique, c'est-à-dire dans... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas... Mais il n'y a aucune plus-value. Mais justement, je reviens sur la question de recrutement. Vous dites qu'on a demeuré autour de la rente. Est-ce en raison du problème de management? Vous dites que Sonatrach est en situation de sureffectif. Est-ce qu'on peut aussi, parallèlement, considérer que le recrutement n'a pas été créé sur la base de critères objectifs, mérite et non pas du favoritisme? Oui, à partir du moment où vous avez une pression, vous exercez une pression sur une entreprise pour lui demander de recruter plus que ce dont elle a besoin. Que voulez-vous qu'il se passe? Il y a du sureffectif, automatiquement, il y a, effectivement, il se peut qu'il y ait... C'est-à-dire les règles ne sont plus respectées, en quelque sorte. Et à ce moment-là, quand vous avez du sureffectif, vous avez automatiquement, disons, des passes droits, etc., etc. Comment mettre fin à ce problème? Il faut créer de l'emploi. C'est le principe d'une nouvelle vision de gouvernance. C'est, bon, comment mettre fin, c'est pas un claquement de doigts, hein, c'est pas un non, il faut que ça soit progressif. Et c'est un petit peu la politique qui est, la politique de développement qui est appliquée aujourd'hui. Favoriser la compétence. Hein, favoriser la compétence. Non, attendez, bien sûr qu'il faut favoriser la compétence, c'est partout, hein, y compris dans les autres secteurs. Hein. Parce que ça ne veut pas dire qu'il y a des incompétents, par exemple, maintenant dans le secteur, par exemple, de l'énergie, il faut les renvoyer ailleurs. Non, pas du tout. Il faut de la compétence en agriculture, il faut de la compétence dans les services, il faut dans tous les domaines. On ne peut mettre fin à cette situation que si on crée de nouveaux emplois dans d'autres secteurs et des emplois durables, attention. Parce que les jeunes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent un emploi durable, surtout. Ce n'est plus un... Autrefois, on créait des emplois, par exemple, de 6 mois, 1 an. On donnait des contrats de 11 mois, par exemple, à quelqu'un. Et puis après, on renouvelle 1 an, puis 5 ans, et puis etc. Seulement, maintenant, non. Mais c'est une forme d'instabilité. Donc, un jeune, surtout un jeune universitaire, il demande un emploi durable. Et là, il faut... Donc, un emploi durable, c'est-à-dire, c'est un emploi qu'il a tant qu'il produira de la richesse. Il va contribuer à la production. Et là, ça veut dire qu'il faut aller dans d'autres secteurs, il faut développer tous les autres secteurs. Dans les hydrocarbures, ce qui reste à développer, c'est la pétrochimie. On a énormément de retard. Et puis, ce qui vient après, je l'appellerai l'aval de l'aval. Parce que vous faites la pétrochimie, c'est très capitalistique. Il faut des milliards de dollars pour faire les différents projets. Mais derrière, par la suite, il y a des milliers de PME, PME qui peuvent être créés et qui vont produire tout ce que nous consommons. Alors, question, monsieur Attal, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que, par exemple, il va falloir aussi, quand on parle de transparence, protéger ce patrimoine national, propriété de tous les Algériens, propriété de l'État, propriété également des générations futures, contre toute forme de dilapidation, détournement pour enrichissement personnel par rapport au scandale qu'on a vécu par le passé. Monsieur Attal. Bien sûr. Vous mettez en place de nouveaux mécanismes? Il faut mettre une nouvelle organisation, il faut mettre les hommes qu'il faut, surtout.
l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. C'est peut-être un peu vieux hein, comme adage, mais il est toujours valable, il le sera toujours. L'expérience, la compétence, c'est tout. Et il y a des Algériens, il y a des hommes, hein, attention, hein, d'ailleurs un Algérien quand il va à l'étranger par exemple, beaucoup de cadres de Sonatrach par exemple sont sortis, ce sont des génies ailleurs. Hein. Donc il y a aucune. Mais ils sont partis pour une raison ou pour une autre, peut-être parce qu'on les a pas, on n'a pas tout fait pour les stabiliser, parce qu'on n'a pas fait tout fait pour les garder. Mais quand ils sont partis ailleurs, ils sont devenus des génies. Et c'est tout. Il faut mettre les hommes qu'il faut, les procédures. Il faut qu'il y ait un contrôle aussi continu. Il ne faut pas exercer, par exemple, de pression sur les cadres, par exemple, pour qu'ils fassent du social ou pour qu'ils fassent ce qu'ils n'ont pas à faire. Aujourd'hui, Sonatrach, je suis désolé, elle est complètement dispersée. Ces cinq métiers de base que sont l'exploration, la production, le transport, la transformation et la commercialisation, c'est pas ça qui constitue pratiquement la principale préoccupation des cadres de Sonatrach. C'est beaucoup d'autres secteurs. Alors, question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui par rapport à la consommation d'énergie et bien sûr le gaspillage et la rationalisation, nous construisons encore des bâtiments très énergivores. Comment pensez-vous agir en urgence face à ce type de gaspillage et qui nous coûte très cher? Écoutez, en matière d'économie ça, d'énergie ce n'est pas le ministère de l'énergie, d'autant plus maintenant il y a un ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables, c'est M. Chitour, le professeur Chitour, qui pourrait répondre à cette question. Je peux répondre, mais je ne préfère pas. Et effectivement, mais de toute façon, la question est valable, et effectivement, nous n'avons que des bâtiments. Il y a très peu de bâtiments, par exemple, qui pratiquement construits selon des normes qui puissent pratiquement consommer le moins d'énergie possible. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Alors qu'il y a énormément. J'ai parlé tout à l'heure d'économie d'énergie. Et effectivement, c'est à ce niveau et au niveau du transport qu'il faut commencer à le faire. Au niveau du transport, oui, nous sommes en train d'accélérer la consommation du GPLC. GPL comme carburant au lieu de gasoil et de. Nous sommes en train de préparer aussi le GNC, gaz naturel, carburant, etc. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que dans la nouvelle vision, vous allez donner aussi favoriser l'avantage à la préférence nationale par rapport à la question de la sous-traitance au niveau de Sonatrach, gaz et toutes les entreprises relevant du ministère de l'Énergie? Pour moi, c'est primordial. Je peux vous dire que l'argent restera ici, il ne partira pas ailleurs. L'argent restera ici, pas pour toutes les prestations quand même. Attention, hein, parce qu'en matière d'ingénierie ou de construction d'usines ou d'importation d'équipements destinés à l'exploitation, c'est pas pour demain, hein, on en a encore pour plusieurs années. Mais disons que, voilà, il y a deux mois de ça, j'ai donné des instructions aussi bien à Sonatrach, à Sonelgaz qu'à leur filiale, de donner la priorité en matière de sous-traitance locale. Il ne faut plus sous-traiter avec les sociétés étrangères. Il faut que ça soit des entreprises algériennes qui ont l'envergure de participer à la réalisation de projets. Je prends l'exemple de la raffinerie de Hassim Saoud, un nouveau projet. D'accord, on a signé avec des sociétés étrangères, mais là, pour la sous-traitance maintenant, tout ce qui est, c'est-à-dire génie civil, tout ce qui est soudure, tout ce qui est transport, tout ce qui est, il y a beaucoup, beaucoup, vous savez, il y a plus peut-être entre 30 et 40% pratiquement du coût du projet, c'est de la sous-traitance. Il faut que ce soit des entreprises algériennes, de grosses entreprises. Et puis après, quand on arrive à des petites choses, c'est-à-dire il faut que ce soit une entreprise locale, de Hassim Saoud, de Ouargla, ou je ne sais plus, quand vous allez à Adral, ce sera Adral. Si vous allez à Oran, ce sera les entreprises. C'est comme ça qu'on crée de nouvelles petites, des PME, PMI, qui font de la sous-traitance, et à ce moment-là, on crée de nouveaux emplois. Mais c'est fini de ramener, je suis désolé, de simples ouvriers, de simples soudeurs, de pays étrangers qui viennent, bon, avec tout le respect que j'ai pour tous les pays, hein, ça ne veut pas dire que... Mais il n'y a aucune raison. On voit ce qui se passe dans le bâtiment, on voit ce qui se passe aussi dans le secteur de l'énergie. Alors, autre question, est-ce qu'on perd de l'argent au prix actuel du carburant? C'est la question de l'auditeur. Bien sûr. Oh oui,
Ben oui, écoutez, c'est le carburant, il est vendu à un prix nettement inférieur par rapport à son prix de revient. Maintenant, si on compare, par exemple, avec les coûts d'exploitation, avec, par exemple, le bénéfice que pourrait faire son attaque en exportant ce produit, etc. Maintenant, si on considère que le pétrole est un don de Dieu, il est là, sous le sous-sol, il est gratuit, oui, effectivement, à ce moment-là, on est tout juste. Mais c'est surtout en matière d'électricité, c'est ça le problème. Prenez le gaz, vous vendez le gaz à 0,35 centimes, je crois, 0,35 dinars, pardon, la thermie, alors que ça revient pratiquement... Non, le gaz, c'est... je parlerai plutôt du mégawatt, voilà, ou le kilowattheure. Le kilowattheure, on le vend à 4, quelque chose dinars, le kilowattheure, il revient en moyenne à 12 dinars. On le vend à 3 fois, l'électricité est vendue 3 fois moins cher. Elle provient du gaz, bien sûr. Ça, ce sont les gaz qui supportent le... Le coût, bien sûr, la différence par rapport à la subvention. Monsieur Abdelnadi Attal, moi je voudrais revenir avec vous sur les aspects liés à la sécurité des gisements pétroliers aujourd'hui de production, avec tous les incidents que nous avons vécu ces derniers jours. À quoi sont-ils dus? L'entretien qui fait du... Oui, quelque part, mais aussi, attention, bon, il y a quand même des accidents qui sont parfois pratiquement imprévisibles. Oui, ils sont très nombreux ces derniers jours. Non, on a eu deux éclatements. Je ne parle pas du gazoduc de Al-Bayed. Al-Bayed, c'est une erreur. C'est l'entreprise qui faisait l'assainissement. Hein. C'est avec un engin, ils ont touché le sans faire attention, sans prendre au préalable, par exemple, la cartographie des conduites de gaz. Et voilà. Et ils ont endommagé le gazoduc. Voilà. Maintenant, les deux autres accidents. Celui de la crue, provoqué par la crue, c'est la crue. Mais quelque part, avant, il fallait aussi protéger le pipe. Hein. C'est un problème de suivi, c'est un problème de maintenance. Parce que bon, on savait qu'il y avait une carrière à côté, elle était juste à côté du pipe. Ils ont complètement enlevé le sable, la crue est venue, ben, elle a emmené le pipe. Et encore, le pipe n'était pas protégé par ce qu'on appelle les cavaliers, c'est-à-dire pour le fixer. Il y a aussi le nouveau pipe, l'OB1 qui a à Tougourt, dans la région de Tougourt, bon, heureusement sans dégâts, il est vieux, il date de 59. Moi je pense que c'est un problème maintenant ça, c'est un problème. Autrement, 59, bon depuis 59, il ne faut pas l'exploiter de la même façon. Et il ne faut pas non plus, il faut le maintenir de façon différente. Vous avez donné des orientations, des directives? Absolument, bien sûr. À Elmerc aussi, c'est pareil. C'est pareil. Vous allez les reprendre? Oui. Des opérations de réhabilitation sont envisagées? Sur les pipes, oui. Alors, on a fait un comité de pilotage et on est en train de travailler avec l'environnement, l'agriculture, l'eau, pour essayer de localiser tous les risques au niveau des pipes et prendre des mesures et donner des instructions. Alors, autre question de l'auditeur, quand on parle de transparence, tout dire aux Algériens, lutter contre ce qu'on a vécu par le passé en termes de dilapidation, la raffinerie d'Augusta, c'est une escroquerie, monsieur. Je ne peux pas en parler parce que le dossier est en justice. Et parler d'un dossier en justice, c'est pratiquement s'ingérer. Et alhamdoulilah, la nouvelle constitution, elle dit, la justice est indépendante, elle sera dorénavant indépendante. Alors, j'espère qu'elle le sera. Non, mais je suis sûr qu'elle le sera. Et je ne peux pas en parler. Mais c'est une affaire d'escroquerie. Je ne peux pas en parler. Pas du tout. Vous ne direz pas un mot. Je ne dirai pas un seul mot. Je laisserai les juges travailler en toute conscience. De toutes les manières, nous savons que l'affaire est en justice. Autre question, monsieur Attal, dernière. Est-ce qu'on peut considérer que la question des subventions aujourd'hui doit être ouvertement discutée? Tout ça, tout à fait. Elle doit être discutée. Sereinement discutée. Sereinement discutée. Et il ne faut surtout pas toucher, bien sûr, les petits revenus. Il faut faire très attention. Mais seulement, il faut faire payer les gaspilleurs. Voilà. Alors, la crise sanitaire a fait perdre l'équivalent de 10 milliards de dollars à Sonatrach. Ouais. On peut considérer qu'il y aura d'autres pertes, puisque vous avez déjà annoncé au mois de mai à peu près que nous allions clôturer l'année avec l'équivalent de 22, voire 23,5 milliards de dollars d'exportation hydrocarbure. Ça y est, vous avez clos vos... Bah non, il reste encore 2 mois, hein, vous savez. Mais ça y est, c'est 23,5 milliards de dollars.
Donc on a perdu l'équivalent de 10 milliards. Si on reste au même niveau avec 40 dollars moyenne, c'est 23,5 milliards de dollars de recettes d'exportation. Avec une perte de 10 milliards de dollars par rapport aux recettes de l'année dernière. Oui, qui était autour de 34, exact. Donc il faut serrer un peu la ceinture. Serrer la ceinture, mais il ne faut pas serrer la ceinture pour tout le monde, il faut serrer pour les gaspilleurs. Monsieur Abdelmadjid Tata, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt.